kibo konzi kitoko. Tout on a vu ça pour voir tout on a vu ça pour voir papa bino bebo zela tout on a bino wana banana wana shuba yuma nina ba tele misanga shuba tika na tele mapona na nasepeli sabango. Yani na amani sana na nchi yangu, rais wetu anafanya mambo makubwa, namwamini sana, naamini mambo yatazidi kuwa mazuri, kazi itakuwa nzuri, nchi yetu itaendelea, yani nina raha sana. Bien sûr, vous avez totalement raison. Vraiment, le président Félix fait son travail. Félix Tshisekedi fait vraiment son travail. Nous tous, on est derrière lui et on doit vraiment respecter la loi. Nul est au-dessus de la loi. Bonjour, monsieur. Mon nom est Kiley. Alors, est-ce que vous pouvez me présenter votre carte de conduite, s'il vous plaît? Parce que vous roulez avec excès de vitesse. Nous n'avons pas peur de toutes vos intimidations. Nul est au-dessus de la loi. Quoi que vous fassiez, qui que vous soyez, vous devez respecter la loi. Ok? Alors, vous êtes en train de conduire en vitesse, alors vous avez été arrêté. Alors, c'est la loi qui vous demande toutes sortes d'amendes. Alors, par rapport à ce que vous venez de faire, l'amende, c'est de 250 000 francs congolais. Et vous devez les respecter. Et vous n'allez pas payer ici, vous devez aller payer à notre branche. Ok? Vous devez aller payer à la police. Quel excès de vitesse, hein? Quel excès de vitesse? Pourquoi est-ce que vous voulez seulement bouffer les gens l'argent comme ça? Est-ce que vous connaissez avec qui vous avez affaire, hein? Vous mentez, excès de vitesse. Vous pensez que moi je perds de vos tenues là que vous portez, hein? Vous connaissez je suis qui? O kanyenga mutuka. Oza ni boma na mutu na yo, hein? Do yozo kanisande ngayo o memi mutuka na ngai, papa. Ngai na zande ko ya ministre mutuka oy oya ko zongisa mo tina porte anda kuna ngai oyoki civil oza civil yo allez-y mema mutuka to otala na nyangaza na pouvoir na mboka oy. Ok malamu totala loi na ministre oyoki merci beaucoup monsieur ba document na ko pesa te mutuka na ko zongisa te to kotala sikoyo. Loi, na ministre. Ok, merci. Zoba mongo boe, muta pasi. Kende? Avana banoro papolo bambata awa. Mais pourquoi est-ce que vous n'avez pas peur des autorités de ce pays? Comment peux-tu oser de prendre le véhicule d'une autorité? Comment tu peux faire ça? Mon commandant, moi j'ai juste fait mon travail. Ces garçons roulaient avec excès de vitesse. Et je ne pouvais pas les laisser passer. Et j'ai juste fait mon travail, mon commandant. Veuillez m'excuser par rapport à cela. Mais mon commandant, par rapport à ces documents, les garçons doivent faire son paiement. Ils doivent payer l'amende par rapport à l'excès de vitesse. Donc voilà, selon la loi. Nul est au-dessus de la loi, monsieur le commandant. Mais tais-toi! Je te dis de remettre la voiture. Tu veux qu'on puisse perdre ce travail? L'appel vient de hiérarchie. On doit respecter cela. Si on est là, on doit négocier. Tu vas les comprendre quand tu seras là où moi je suis. Alors moi je te donne des ordres. Libère cette voiture-là à l'immédiat. Mon commandant, avec tout le respect de la constitution que nous suivons nous tous, je ne peux pas remettre la clé de cette voiture. Pourquoi? L'article 64 nous dit ceci. Le président de la République, le chef de l'État, il est garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et de l'unité du nation, du respect de la Constitution, des traités et accords internationaux. Il détermine la politique étrangère et de défense de la nation. Le président de la République est garant du fonctionnement régulier du pouvoir public et la continuité de l'État. Voilà, si le président de la République respecte
la constitution, pourquoi pas un ministre. Alors, pour toutes les... Je t'arrête tout de suite. Tu remets la voiture et tu sors de mon bureau. Tout de suite. À vos ordres, mon commandant. À vos ordres. Mais pour le véhicule, je vais porter plainte au procureur général. Merci. J'espère bien que vous avez arrangé la situation avec votre agent de la police. J'espère bien qu'il y a des nouvelles, des bonnes nouvelles par rapport à ce même dossier de mon neveu. Mon chef, vous le savez très bien que moi je ne vais pas refuser votre... Mais cet agent, il est vraiment têtu, voire même au niveau, il est prêt à porter votre neveu plainte au niveau du parquet général, chez le inspecteur général. Alors, ça sera mieux de payer les 250 francs parce que actuellement notre gouvernement, il est tellement strict. Au cas contraire, on risquera tous de perdre notre travail. Voilà, je comprends. Vous avez totalement raison et cet agent aussi a exactement raison. Nul est au-dessus de la loi. Merci beaucoup pour votre aide et puis votre gentillesse par rapport aussi à votre travail. Vous êtes très bien formé. Je vous félicite vraiment. Félicitations. Merci, monsieur le ministre. Je suis très content avec votre compréhension. Merci beaucoup. Mais j'espère que ce n'est pas 250 000 francs congolais qui vous manquent. Mais comprenez mon émotion. À vos ordres. Merci beaucoup et bonne chance à vous. Conseillez votre neveu que nous voulons arranger les pays. Notre pays doit être développé. Merci beaucoup, monsieur. Il n'y a pas de problème. Mais avant que je puisse partir, j'aimerais bien voir cet agent en face. D'accord, monsieur le ministre. Je vais l'appeler tout de suite. Bonjour, monsieur le ministre. Le commandant venait de me dire que vous avez besoin de me voir. Oui, mon fils. Je voulais juste te dire félicitations parce que tu te respectes bien ton travail. Et je voulais te poser une autre question. Qu'est-ce que vous voulez qu'on puisse faire pour mon neveu, pour lui pardonner? Quelle punition que vous voulez qu'on puisse lui donner? Merci de m'avoir donné la parole, très cher ministre. Merci beaucoup. Pour la punition, pour votre neveu, pour ce qu'il m'a fait, il m'a insulté, pas que moi, mais il a aussi insulté l'État. Alors, pour tout ce qu'il a fait, je vais préférer qu'il puisse passer une nuit à notre cellule pendant 3 jours. Et pas que ça, il doit aussi payer l'amende de l'État de 250 000 francs congolais. C'est par là que nous allons le libérer. Merci, mon très cher fils. Nul est au-dessus de la loi. Ce sont ces enfants qui viennent gaspiller ainsi qu'abîmer notre image. Alors, je vous félicite beaucoup et j'ai déjà donné l'ordre qu'il doit être arrêté et condamné de la façon que vous venez de me dire. Faites votre travail. Félicitations. Merci. Pardon, mon frère, on est la porte pour l'imbissangaï. T'as rebondi la liste sous Pardon, mon condi. Excusez-moi, pardonne-moi. T'as rebondi.